Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Minecraft en 1.8 sur ma map Ramsès 2. Et là, je suis où? Ben, je sais pas trop. En fait, c'est Violette qui m'a arrêté ici et je suis dans une chambre. Oh. Je sais pas ce que j'avais le jour où j'ai fabriqué ça, mais c'est un petit peu les. Bon. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai fait de beau ou pas. Ou pas beau. Ici, nous avons un peu de végétation, toujours pas de PNJ, mais bon, ça, c'est la routine habituelle. Parce que je m'en ai pas mis dans le coin et que le village d'à côté a juste eu des PNJ avant-hier. Regardez pas sur la droite, fermez vos yeux, j'ai dit, oh, quand même. Donc ici on a des PNJ ou je ne sais pas. On va voir si on les revoit. Hier il était là. Yeah. Je vais un petit peu entre guillemets souvent sur la map. Oh ben non. Ah voilà. Salut les mecs. Salut le mec. Ah. T'as une poule avec toi? J'ai cru entendre une poule. Non. Ah, mais si, tu vois, je t'avais dit. Donc oui, je reviens un petit peu plus souvent sur Minecraft en ce moment parce que bon, ben niveau boulot, c'est assez ridicule en ce moment étant donné que la poste ne fonctionne plus. Et j'ai même trouvé que la poste avait fonctionné un petit peu longtemps. Je sais pas si c'était très raisonnable, mais bon, on va pas commencer à polémiquer sur des trucs dont on n'a aucun contrôle, hein, tu comprends? Nous, on a le contrôle de notre confinement et on est très très bien chez nous, tranquille, peinard. Le boulot, c'est mort, mais tant pis, on verra plus tard pour ça. C'est quoi le bâtiment là-bas? Un temple? Tant je me déporte là, c'est pas malin. Ah oui, d'accord. Oh, c'est vrai que je suis loin de rien sur ma map Ramsès 2, alors qu'à la base elle est très très longue. Bon, en attendant, j'espère que ma vidéo vous tient compagnie pendant le confinement, que vous allez bien et que vous ne vous ennuyez pas trop. Si vous êtes comme nous, vous avez toujours des occupations à faire à la maison, on a toujours plein de trucs à faire, le temps ne passe pas plus lentement que d'habitude. C'est même un peu le contraire, on dirait, mais bon. Nous, on a l'impression que depuis le début du confinement, le temps passe vachement vite. Alors que bon, moi niveau confinement, je suis un petit peu une habituée. Étant donné que je sors pas beaucoup puisque je ne marche pas. Et niveau du rythme de boulot à la maison, bah c'est toujours le. Enfin, non, là, c'est pas du tout le même. Hein. Parce que là, en ce moment, c'est pas la peine de travailler. On fait pas de vente. Donc, et de toute façon, même si on faisait des ventes, on peut pas les envoyer. Donc, comme ça, au moins, flic-flac la baraque, t'es auto-entrepreneur et t'attends. Et t'attends que ça passe, voilà. Mais bon, nous on attend très souvent déjà à la base. On était Marc Phoenix est en création d'entreprise, donc du coup on attend un petit peu le client. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour regarder ici. Attendez, je vais me remettre dans le bon sens. Voilà. Donc ici, on est à côté du village. J'avais fait une route pour que les PNJ se promènent de ville en ville, de village en village. Là ici, si on speed un petit peu, on arrive à cet endroit-là où j'ai fait les deux monuments qui font le pied de l'Arc de Triomphe. Mais en fait, les piliers de l'Arc de Triomphe, pardon. Mais en fait, ça ressemble à pas grand-chose. Je sais même pas tellement ce que j'ai voulu y faire et en faire. Et voilà. Voilà. Donc, je vais réfléchir.
Donc là, ici, j'ai fait un petit bassin avec des arbres qui poussent régulièrement. Quand je suis là, le jeu avance. Si je ne suis pas là, le jeu n'avance pas. Et si je laisse Violette aller sur ma map, elle se promène et me perd. Voilà. Alors ici, j'ai mis des fresques parce qu'il faut savoir que les monuments à l'époque des pharaons étaient richement décorés. Même les pyramides, hein, on avait du travail d'artiste partout, partout, partout. Donc j'en ai mis là. Voilà. J'ai décoré. Et là, donc ici. Tac. Ici, on a le chadouf. Et là, on a un petit endroit de détente. Tu vois, là, ici, t'es paysan. Tu viens travailler dans les champs. Ah, tu dis, j'ai chaud. Je vais me baigner un petit peu. Tchou glou 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 glou. J'ai tous mes habits, j'ai oublié de me mettre tout nu. Donc tu remontes. Et tu vas te sécher en t'asseyant là, ici, là, tranquillement. En discutant avec les gens, parce que tu n'es pas confiné, donc tu as le droit de parler avec les gens. Voilà. Et là, ici, bah, t'as de la nature, t'as un petit peu des fleurs. T'as des lianes, t'as des herbes hautes, t'as tout ce qu'il y a pour faire beau. Voilà. Effectivement, c'est pas extrêmement compliqué, mais bon, je l'ai fait quand même. Voilà. J'avais pas envie de me prendre la tête plus que ça. Et puis c'est tout. Mais bon, ça avance doucement, mais peut-être bien sûrement. Je ne sais pas, on va voir. J'aimerais bien que ça avance un petit peu plus. Est-ce que le puits est bloqué ici? Donc ici, j'ai mis des blocs pour coincer, pour fermer le puits. Parce que les PNJ parfois sautent. Je viens d'avoir peur, mais de chez peur. Hein. Et les filles étaient avec moi il n'y a pas très très longtemps, puis en fait Violette est montée. Mais t'es là ma poulette! Et on a le deuxième ordinateur qui est allumé en bas, et il vient de gueuler. Ouais, il avait quelque chose à dire certainement. Oh, t'as pondu ma chérie! Oh, que c'est bien! On dirait que j'en envoie deux. On dirait que j'en vois rien en même temps. Ah, alors quand on met des poules comme ça, en fracassé, voilà, il faut se décaler parce que sinon tu balances un œuf dans la tête d'un poussin et tu y exploses la gueule. Voilà. Bon bref, on va pas faire une vidéo de 3 semaines. Parce que là c'est pas le tout, mais j'ai des devoirs à faire avec Lucie. Comme je vous ai dit, on fait l'école à la maison. Donc du coup, le rythme n'a pas beaucoup changé par rapport à d'habitude. Mais on fait les cours à la télé avec sur France 4. On regarde l'atelier Lumni. Et c'est vachement intéressant. Franchement, les deux profs de maths, ils me font adorer les maths. Alors déjà, les maths, c'est une matière que je pouvais pas encadrer étant jeune. Et finalement, au bac, je me suis tapé un 19 en maths. Bon, comme j'étais en littéraire, ça rapportait pas grand-chose, mais bon, à part le bonheur. Je veux dire comme dans Malcolm, le bonheur, je fais la danse du bonheur. Voilà, donc tu te la pètes un peu, mais bon, en philo, tu tapes un 4, alors du coup, QF7, paf, à moins que ça te plaigne la gueule. Ah ouais, hein. Bon bref, qu'est-ce que je disais moi? Donc oui, si vous êtes à l'école et que vous avez, ou alors,
Hey, vous êtes en confinement, vous savez pas quoi regarder parce qu'à la fin, à la télé, petit 1, il n'y a rien. Sur YouTube, on a vite fait le tour, hein. Nous, on suit des YouTubeurs, mais. Bref, entre ceux qui font des vidéos de merde, tu sais pas pourquoi, parce que tu te dis, mais d'habitude, ils sont bons, c'est le coronavirus qui leur a bouffé des neurones. Là, ils sont deux et ils te font des vidéos à chier. Tant pis. Tant pis pour eux, on n'a pas regardé. Et voilà. Mais tant pis pour nous surtout. Et du coup, mais si vous avez l'occasion de regarder sur France 5, France 4 et France 2, il y a l'atelier Lumni. Et ben, je trouve ça vachement bien présenté par Alex Good. Alors lui, il n'est pas déconnant. Il marche bien là-dedans. Franchement, il donne envie d'apprendre. Et il a vraiment sa place dans le programme. Moi, il m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de le retrouver là. Bon, sinon, on va se laisser là. Moi, je vais vous dire un truc. On va bricoler un petit peu cet après-midi, histoire de changer un petit peu les idées. Qui sont un petit peu moins moroses qu'avant, parce que les nouvelles de l'hôpital pour ma mère sont assez bonnes. Allez, moi je vous fais des gros bisous, j'attends que Violette redescende et après on va faire un petit peu de lecture et d'écriture avec elle. À plus tout le monde!